J'aime bien Sadio Mané. Je copie sur lui. Des fois, je regarde des vidéos de lui. Ouais, avant les matchs. Si je suis tout seul, voilà. Je vais garder ça, je peux. Tu peux garder ça pour moi? Merci. Action. Je peux? Hein? Foulqué. Lui c'est un mec bien, mais il me fait trop de rire, tu vois. Ouais, il fait des trucs bizarres. Voilà, c'est mon gars. C'est mon gars. En plus, il perd tout le temps. Ping-pong. Ouais, quand on jouait, il perd contre Doux ou Capo. C'est normal qu'il perd parce qu'il est nul. En jouant, on va chercher quelqu'un d'autre. Lui là, il dit c'est Ghana gay. Lui c'est mon gars sûr. On danse ensemble en équipe nationale, on fait des trucs ensemble. Il vient dans ma chambre. Je pars aller le voir, lui aussi. C'est un mec bien, mais il est un peu fou. Tu vois, il est un peu fou. Mais il danse beaucoup. Ouais, il danse beaucoup. Hein. C'est un mec bien, super bien. Étienne, Capou. Ouais. C'est un mec d'ici, il est sympa aussi. En plus, je parlais tout à l'heure de Fulgué. Il gagne tout le temps. Quand il joue avec lui là, il gagne tout le temps parce qu'il est fort. En plus, il est sympa. Voilà. Ouais, c'est un mec qui casse, il casse. Hein. À l'entraînement, il rigole pas. Il casse tout, c'est sûr. Quoi. Il rigole pas à l'entraînement, mais après l'entraînement, c'est un mec bien. Mais on voit tout. On va chercher quelqu'un d'autre. Ça, c'est Saro, Diafra Saro. Lui aussi, c'est un grand frère. Pour moi, c'est un mec bien aussi. Et tout le temps, il me conseille, il me dit faire ça, il faut faire ça. En plus, c'est un mec dur aussi. S'il voulait dire quelque chose, il dit n'importe qui, le coach, il dit. Ouais, j'ai joué, on était à Rennes. Avant à Rennes, on était à sélection, équipe nationale. Ouais. Ouais, il est drôle, ouais, lui là. Même aussi, il danse. Tout le monde danse en équipe nationale. Tout le monde. Qu'est-ce qu'on danse? Bah, notre musique, parce qu'on a une musique aussi. Bah, Wali Sek, Youssoundour, voilà. Mais ça va. Des fois, il fait des trucs comme tout le monde. Voilà quoi. M. Bainyang. Lui, c'est un mec très, très dangereux, lui. En plus, il est gentil, mais il est dangereux. En plus, gentil, dangereux. Ouais, c'est un bon mec. Pourquoi? Parce que... Il a fait beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses de lui, il a fait des bêtises et tout ça. Il a fait beaucoup de bêtises, c'est normal. Parce que les jeunes, il fait beaucoup de bêtises et tout ça.
Bah ouais, c'est un bon gars, c'est un bon joueur. C'est un buteur, il marque. À Rennes, il marquait, voilà. Il veut que aussi je marque. S'il y a un penalty, si je ne tire pas, ici, il sort, il me donne le ballon, il me dit « tire, c'est toi qui tire ». Voilà, c'est ça que je cherche. Lui, il est super gentil. Mbaye. À thème. Mec sérieux, il est tout le temps fâché lui là. Il se fâche contre tout le monde. Si ça ne sent pas bien, voilà. Il se fâche contre tout le monde. Mais il est gentil, mais il garde le ballon trop. Il voulait faire ses trucs, il dribble, il fait des trucs, voilà. Mais si le mec, il est, tu vois, il est un peu sérieux. Je dis pas, il est pas sérieux, mais il est avant, s'il était un truc, il va être un meilleur joueur du monde. Il va prendre un ballon d'or ou un truc, parce qu'il joue, il joue bien. Mais tout le temps, il est vénère, il est fâché contre tout le monde. Si ça ne va pas bien, voilà, c'est ça que je cherche pour lui. Je pense que j'ai fait tout. Il reste. C'est bon? C'est fini? Un des meilleurs joueurs du monde et d'Afrique. Sadio Mané. Le meilleur joueur. Moi, je peux dire que c'est le meilleur joueur du monde. Pour moi, ouais. Bah ouais. Pourquoi? Parce qu'il a des qualités. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a fait tout pour Liverpool. Ouais. Toutes les compétitions. Heureusement, il n'a pas pris le championnat anglais. Mais je souhaite de le prendre parce que c'est le meilleur joueur d'Africain en Europe pour moi. Mais il joue bien, il fait tout bien. En dehors du football et tout ça. Envers nous aussi, il fait des trucs bien pour nous aussi. Voilà. C'est leader du l'équipe nationale, celui. Comme personne, c'est un mec bien, t'as pas entendu, il fait des trucs bien en sport, en dehors du football, en dehors du football aussi, il fait des trucs bien, il fait des trucs chez lui, mais je dis, il fait des trucs bien pour tout le monde, parce qu'il est, sympa, il est bien, voilà, c'est un mec bien, c'est ça que je voulais dire sur lui. En plus, c'est mon idole. J'aime bien Sadio Mané. Je copie sur lui. Des fois, je regarde des vidéos de lui. Ouais, avant les matchs. Si je suis tout seul, voilà. Je vais garder ça, je peux. Je peux garder ça pour moi. Merci. Ligue 1. C'est qui ça? C'est qui? Ouais, je sais pas, je connais pas lui là. C'est qui? Ah. En ce moment, j'ai rien du tout là. Je viens d'arriver en France, il fait froid. Je gagne rien du tout. J'ai pas d'argent, il n'y a rien du tout. Ouais, en ce moment, je suis.
La première fois que je suis venu en France, voilà, je suis comme ça, j'ai quitté au bled. En 18 ans, je suis venu. Il fait froid, je comprends pas bien le français et tout ça, ouais. Mais je dors au centre. Ouais. Si je voulais aller à l'entraînement, je marche tranquille. Même pas 5 minutes, j'arrive, voilà, voilà, mais. Lui, là, c'est un mec sérieux, tranquille. Il fait pas de bêtises, tu vois. Il fait pas de bêtises. Il fait pas de bêtises. Il part pas en boîte. Tu vois. Je voulais tout le monde soit bien et tout ça. Je souhaite tout le monde de réussite et tout ça. Voilà. En plus, t'as pas vu, je suis un peu costaud là avant. Un peu costaud. Ouais, costaud, ouais. Avant, ouais. Mais j'aime bien ce club là parce que je vois beaucoup de choses là-bas, j'ai découvert beaucoup de trucs là-bas. Voilà, avec mes copains qui ont en même temps Génération Foot, les Mouillards. Aliou, Saliou Diakaté et Moussa Seydi. On a vécu des trucs là-bas, on a resté un an là-bas, je peux dire un an, parce que j'ai fait un an à Metz. Après, j'ai laissé mes potes là-bas, après, je suis parti à Rennes. Mais ça me rappelle beaucoup de choses. Des fois, je regarde mes photos avant à Metz. Ça me fait plaisir de les regarder. Ouais. Ça, c'est Isma. C'est ça que je veux dire. Pour. En plus, c'est un mec qui aime bien sa famille, tu vois. J'aime bien ma famille. Ouais, j'aime bien. Mes petites sœurs, j'aime bien. Et mon petit frère, j'aime bien. J'aime bien. Un jour, je vais faire pour les ramener ici pour que vous les voir. Un jour, ouais, je vais essayer de faire ça pour vous. Je pense que c'est bon. Ici. 4 secondes. 4 secondes. Vous, mes fans, si vous avez besoin de regarder mes vidéos, cliquez ici. Parfait.